Lorsque nous avons construit ce bâtiment, c'est pratiquement il y a plus de 30 ans, donc un endroit complètement désert, à l'extérieur pratiquement du campus, n'était réalisé que la première étape de l'EPFL. On avait l'impression que c'était un navire échoué à l'entrée de l'EPFL. Et puis maintenant, il prend sa place entre tous ces bâtiments. Et avec une certaine satisfaction, on voit que l'échelle qu'on lui a donnée, qui semblait à l'époque, lorsqu'il a été terminé, peut-être un peu hors d'échelle, d'une certaine taille, ou trop important pour sa fonction, parce que je rappelle, dans ce bâtiment, on fait de la recherche, c'est pas un bâtiment d'enseignement. Aujourd'hui, on voit qu'il fait bien la transition d'échelle entre des bâtiments de 2 à 3 niveaux, et puis à côté, le parc scientifique, je crois qu'on l'appelle comme ça, hein, qui a plus de niveaux. C'est à l'époque le président de l'école, Monsieur Vito, un physicien, a porté ce projet. C'était en fait un peu son bébé, de permettre à cet institut de se développer. Et dans son idée, hein, idée de scientifique, c'était de dire le tokamak sera à l'entrée de l'école, au moins à une des entrées de l'école. Alors pour ça, il a réussi, on est toujours devant l'entrée. C'était un mandat assez, je dirais, exceptionnel, parce que le programme n'était pas défini, puisqu'on devait, de manière contemporaine, hein, parallèlement aux chercheurs, leur faire une enveloppe sur une expérience dont ils ne connaissaient pas encore toutes les implications dimensionnelles. Alors on a fait une construction modulaire du nord au sud, où vous avez une alternance d'une voûte, d'un corps de bâtiment bas, d'une autre voûte, pour permettre à la lumière d'entrer aussi bien par le sud et par le nord, pour avoir de la lumière jusqu'au fond. Et d'ailleurs, la première étape, ça n'était que 2 voûtes, et c'est que environ, je crois, 10 ans plus tard, qu'on a réalisé la 3e voûte. Les utilisateurs nous ont demandé une stabilité de la structure très importante. Je crois qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des variations de dimension. Il y a des mesures avec des lasers, des choses comme ça. Et une construction ossaturée en métal ou en bois qui aurait été beaucoup plus, je dirais, efficace dans les temps de construction, était trop flexible. Donc la masse était requise, la stabilité. Nous sommes sur un terrain qui est difficile. C'est un des premiers bâtiments de la génération de l'EPFL qui n'est pas foré sur des pieux. Il est sur un radier très important, qui est une très grande épaisseur, parce qu'on l'a utilisé également pour souffler l'air frais qui arrive dans toute la surface de la halle, qui monte dans tout l'espace et puis qui est récupéré dans la voûte. Et ce radier épais, en fait comme un gigantesque puits canadien, permet d'avoir cette rigidité, cette stabilité sur l'ensemble. On nous a confié ce mandat avec, je dirais, l'intention de dire des jeunes architectes, ils seront assez flexibles, hein, assez entre guillemets malléables pour se conforter à un programme qui est peu défini. En fait, on avait peu d'exigences. Et pour nous, ça nous a appris à mener un projet de manière parallèle, contemporaine, à un projet de chercheurs.